Et bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle navette du jeudi, la navette les uns avec les autres. Alors justement, je suis en train d'essayer de voir si on peut repartager parce que, comme vous le savez peut-être, on a donc il y a encore des petites choses et d'autres sur Facebook en fonction des règles de diffusion ou non. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez nous retrouver. Alors, ah ouais, mais moi je ne peux pas partager. Ok. Bah écoutez, on va faire comme ça, on va faire comme on peut. Je ne sais pas, j'espère que vous pourrez avoir donc le replay. Bonjour Corinne, bonjour, bonjour et bonjour à tous. Donc, si certains d'entre vous peuvent repartager ici et là sur les pages ou sur les groupes dans lesquels vous êtes habituellement, n'hésitez pas. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas. On va voir avec les canaux de diffusion qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous demander un peu, alors je ne sais pas si vous aurez accès aux commentaires, j'ai envie de vous demander un peu ce dont vous sentez que vous auriez besoin en ce moment. Justement, les uns avec les autres, c'est un thème qui a toujours été assez précieux finalement. Mais en ce moment, peut-être encore plus, étant donné les particularités de la période, étant donné les divergences d'opinion, étant donné le fait que chacun est confronté peut-être bien de plus en plus fort en plus à ses propres références, ses propres croyances, ses propres limites, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin de quelque chose. Et puis, bon, bah, sinon, on fera ça la prochaine fois si les commentaires sont pas actifs, étant donné qu'on a quelques diffusions qui dysfonctionnent. Je voulais partager avec vous aujourd'hui une petite conversation qui a eu lieu, donc bah, juste là, je crois que c'était entre hier soir et ce matin. Et notamment, une petite expérience rigolote qui a été faite. Alors, est-ce que je peux afficher ça? On dirait qu'elle passe. Ah si, il faut que je m'enlève. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment mignon comme petite histoire parce que c'est très, très représentatif de ce qui se passe finalement aussi dans la vie. Moi, je suis souvent étonnée par le fait qu'on dirait presque que chacun doit recommencer toute l'histoire, quoi, et qu'on doit tous se débrouiller avec ses propres affaires. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage finalement. Salut Sissou, bienvenue à toi. Et c'est quelque chose que, au contraire, je trouve que ça serait tellement précieux qu'on puisse, à l'inverse, ben, prendre soin les uns tous ensemble, les uns des autres, et de pouvoir être heureux tous ensemble, finalement, de bénéficier de ce que font les uns, de bénéficier de ce que font les autres. Alors, bon, effectivement, parfois, il y en a qui finissent par prendre les choses pour eux et chercher le profit personnel. Mais on peut aussi les pardonner, on peut aussi apprendre, on peut aussi se tromper, on peut aussi faire en sorte d'avancer tous ensemble. Et c'est un peu ça justement qu'on est en train de redécouvrir peut-être ces derniers temps justement à travers l'amour de soi, à travers l'amour les uns des autres, à travers le respect, à travers toutes ces contraintes qui poussent dans les retranchements chacun. Et au contraire, ben, de pouvoir
s'accueillir avec douceur, avec bienveillance. Alors, ça a l'air des mots comme ça, machin, ouais, bon, ça va, c'est gentil, mais la vie, elle est dure et il faut quand même faire avec. Ben, en fait, non. Elle est dure tant qu'on est dur avec soi-même. Mais si vraiment on prend la décision d'avoir envie de douceur, d'avoir envie de bonheur, d'avoir envie de bienveillance, d'avoir envie de vivre tranquille, eh bien, il se trouve que ben, ça se présente. Et la vie s'améliore et la vie s'adoucit et tout devient plus facile. Et c'est vraiment un choix de vie qui n'est pas forcément évident au départ, mais qui vaut vraiment le coup au final. Alors, il y a Jean-Luc après qui nous a partagé une petite histoire qui est vraiment sympa. Est-ce que je leur lis ou est-ce que je leur montre je vais vous montrer et puis on va voir ce que ça dit. Voilà pour la petite vidéo, donc j'espère que vous avez pu suivre. C'est à nous d'y mettre ce que nous voulons vivre dans le monde, c'est clair. Et en fait, c'est ce que nous sommes, que nous vivons, que nous expérimentons. Alors, je voudrais vous lire une petite histoire sur le paradis et l'enfer, et vous allez me dire si vous voyez le rapport. Un jour, un homme a dit à Dieu, « Mon Dieu, j'aimerais savoir comment sont le ciel et l'enfer. » Dieu a montré à l'homme deux portes. Derrière la première porte, au milieu de la pièce, se trouvait une grande table ronde et un grand faitout. Ça sentait bon et ça donnait l'eau à la bouche de l'homme. Mais les gens assis autour de la table étaient maigres et maladifs. Ils semblaient être affamés. Alors qu'il y avait un grand faitout rempli de nourriture, en fait. Ils tenaient des cuillères avec de très longues poignées et avaient chacun la possibilité d'entrer dans la marmite de ragoût et d'en prendre une cuillère. Mais comme la poignée était plus longue que leurs bras, ils ne pouvaient pas les remettre dans leur bouche. L'homme frissonna à la vue de leur misère et de leur souffrance. Dieu a dit « Vous avez vu l'enfer ». Derrière la deuxième porte, la pièce parut exactement la même. Il y avait la grande table ronde avec le grand pot de ragoût merveilleux qui donnait l'eau à la bouche de l'homme. Les gens avaient les mêmes cuillères à longs manches, mais ils étaient bien nourris et dodus, riant et parlant. L'homme a dit « Je ne comprends pas ». Dieu a souri « C'est simple, dit-il. L'amour ne nécessite d'une seule compétence. Ne nécessite qu'une seule compétence. Ces personnes ont appris très tôt à partager et à se nourrir ensemble, chacun donnant à l'autre. Alors que les gourmands et les égoïstes en enfer ne pensent qu'à eux-mêmes. » Voilà la petite histoire qui va avec la vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Elle s'appelle « Enfer, grande cuillère et paradis ». Et c'est vraiment une histoire qui est mignonne parce qu'elle est vraiment représentative d'un phénomène dans la vie qui est essentiel. Et il ne faut pas croire, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs ni plus verte chez soi. Dans la mesure où parfois on a tendance à être généreux, à faire attention, etc. Mais finalement, peut-être pas tant que ça sur certains domaines auxquels on ne fait pas attention ou sur certains comportements où on croit penser aux autres alors qu'en fait, on fait des choses pour soi. Et c'est vrai que c'est pas évident comme subtilité, mais ça vaut le coup d'avoir cette réflexion. Et je vois Sandrine qui nous dit que sur Crowdbunker, elle a l'air d'être la seule sur le chat. Je ne sais pas, écoute. Je fais ce que je peux pour naviguer avec les particularités de,
du moment. Et donc, j'ai aucune idée de savoir si la diffusion fonctionne ou pas. C'est sûr que vous êtes un peu moins nombreux que d'habitude, mais on fera ce qu'on peut avec les retransmissions. Et donc, le focus d'aujourd'hui, en tout cas, c'est d'être à l'écoute de ça, d'être à l'écoute de comment est-ce qu'on peut faire les choses ensemble. Ça ne veut pas forcément dire faire les choses pour les autres, ça veut dire faire les choses ensemble. Alors, il peut y avoir une impulsion, une première initiative de dire, OK, voilà, je prends l'initiative au lieu de me nourrir moi-même, de nourrir quelqu'un d'autre. Par exemple, au lieu de penser à ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui, d'essayer de faire plaisir à quelqu'un d'autre dans mon entourage. Et donc, il peut y avoir une initiative comme ça. Mais l'idée, c'est de s'entraider à développer un état d'esprit collaboratif, un état d'esprit où on fait les choses ensemble, un état d'esprit où justement on s'entraide, on s'encourage, on s'entretient, on s'inspire les uns les autres. Parce que ça peut faire une véritable différence, et sur le long terme aussi en particulier. Et n'allez pas croire que, ouais, mais de toute façon, moi, si je fais ça, ça changera rien du tout au gouvernement, au monde, aux hommes politiques, etc. En fait, si, justement, c'est comme ça que la différence, elle se fait de proche en proche. Parce qu'à partir du moment où nous, on fait une différence, où nous, on transforme notre état d'esprit, eh bien, il se trouve que ça va rayonner quelque chose de différent, ça va permettre quelque chose de différent, on va s'exprimer différemment, on va se comporter différemment. Auprès de qui? Auprès de tout le monde autour de vous. Auprès de votre famille, auprès du boulanger, auprès du facteur, auprès des gens auprès de qui vous faites vos courses, auprès de celui qui répare votre voiture, auprès de celui qui vous téléphone, auprès de celui que vous croisez par hasard dans la rue. Vous allez peut-être lui dire bonjour alors que d'habitude vous faites la gueule. Tout ça va avoir un impact. Et de proche en proche, vous vous rappelez peut-être de l'histoire que Jean-Luc, il aime bien vous raconter à propos du chat qui se prend une beigne au final. Et le chat, le pauvre, il n'a rien demandé. Et sauf que, y en a un qui, par exemple, il s'est fait jeter au boulot et donc il n'est pas content, il est en colère. Il rentre chez lui, il déverse sa colère sur sa femme ou sur ses enfants. Et puis les enfants, ils se tapent dessus les uns les autres. Et puis finalement, il y en a un qui passe très vite dans les escaliers à côté d'une vieille dame qui, du coup, a peur de tomber. La vieille dame qui va être mécontente auprès du facteur qu'elle va croiser, justement. Le facteur, il rentre chez lui, etc. Et puis, réaction en chaîne. Le facteur, il se trouve qu'il avait un chat. Et en rentrant chez lui, il met un coup de pied au chat. C'est dommage parce que finalement, c'est ça qui a un impact négatif. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. Et donc le partage, il est bienfaisant à partir du moment où l'intention, elle est bienfaisante et même elle est d'ordre du bien-être en fait. Le terreau de départ de l'initiative est important. Si on est en colère et qu'on prend une initiative, l'initiative, elle a germé dans la colère. Alors que si on se recentre déjà, on se rebranche à des trucs qui nous font plaisir, qui nous font du bien, à un état d'esprit positif, l'initiative, elle sera différente, elle sera inspirée par quelque chose de différent. Voilà. Donc, ce que je voulais dire à propos de tout ça, c'est que on va donc rayonner quelque chose de différent à partir du moment où notre état d'esprit est différent. Et ça, c'est important, en particulier maintenant, en particulier maintenant. Parce que comme le chat qui se prend un coup de pied, eh bien justement, là, c'est quelque chose d'autre qui va se passer. Si on fait l'effort soi-même d'être dans un bon état d'esprit, d'être de bonne humeur, de rayonner quelque chose de positif, de constructif, eh bien tout ça va avoir un impact différent. On va dire bonjour en souriant. La personne à qui on va dire bonjour en souriant, eh bien peut-être qu'elle va s'exprimer avec plus de douceur auprès de son conjoint, ses enfants. Les enfants, du coup, entre eux, ils vont avoir peut-être quelque chose de plus sympa. Ils vont peut-être se prêter un jouet. Ils vont peut-être partager leur goûter. Et du coup, tout ce bonheur, il va se répercuter chez la famille de quelqu'un d'autre qui va téléphoner à son ami, qui va téléphoner à sa mère, qui va téléphoner à sa copine. Et puis, qui va croiser le facteur, qui va ramener le courrier auprès de je ne sais qui se trouve être le cousin de l'homme politique qui doit prendre une décision aujourd'hui. Et le cousin, il va peut-être téléphoner à l'homme politique, lui raconter ce qui lui est arrivé. L'homme politique, il va peut-être se dire finalement, c'est peut-être un monde qui n'est pas si pourri que ça. Et si on essayait de faire quelque chose différemment, et peut-être que ce jour-là, l'homme politique, il va s'exprimer différemment et rayonner sur tout le Parlement, etc.
Sans déconner, ça a l'air pas grand-chose, mais c'est justement la vie qui est faite de petites choses comme ça, perpétuellement, perpétuellement. Et tous ceux qui prennent des décisions qui ont l'air complètement hallucinantes, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur, par exemple, ou parce qu'ils sont en colère, ou parce qu'ils sont frustrés, ou parce qu'ils souffrent. Vous croyez que prendre la décision de faire mettre des masques à tout le monde, ou je ne sais quoi, ou mettre des barricades, etc. Si les gens étaient sereins, si les gens étaient heureux, si les gens étaient contents, il n'y aurait pas besoin de tout ça. Il n'y aurait pas besoin de tout ça, et en particulier, eh ben, si à l'idée d'un truc qui soi-disant nous fait peur, on en rigolerait, on se dirait non mais c'est bon, on n'a pas envie d'avoir peur, on s'en fout, la vie elle est cool et tout va bien se passer. Et c'est vers là qu'on veut aller. Et ça, eh bien, c'est un monde qu'on réussit ensemble justement. Alors, je vois Nizou qui nous a rejoint aussi. Coucou, content d'être là avec vous tous. Et la vie est belle, c'est clair, la vie est belle. Je suis ravie aussi que tu sois là et que tu nous aies rejoint. Et je suis ravie que vous arriviez à trouver le chemin petit à petit. Et je pense que finalement, c'est en faisant en sorte de prendre une décision différente. Et ça fait aussi partie de ces directs et de ces lives parce que vous voyez bien qu'il y a une difficulté sur Facebook, par exemple. Et pourtant, pourquoi est-ce que tout le monde reste sur Facebook? C'est un choix collectif. Moi, personnellement, j'ai pas d'avis, si ce n'est qu'il faut qu'on se sente bien et qu'on soit heureux de faire les choses ensemble. Donc, si certaines plateformes ne permettent pas de faire les choses correctement et rendent la vie contraignante, parce que franchement, c'est compliqué pour nous à chaque fois, d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, on doit changer les streams, on doit changer les canaux de diffusion, etc. C'est vraiment pas confortable. Donc, chacun est en train de travailler sur ses propres trucs. Très bien. Sauf qu'au final, on peut aussi prendre des décisions collectives de s'organiser d'une certaine façon si vraiment on veut continuer toutes ces émissions en direct, si vraiment on veut continuer à s'entraider et à faire tout ce qu'on est en train de faire ensemble. Voilà, et ça va potentiellement passer par le fait de changer les plateformes. Si certaines plateformes sont trop contraignantes ou ne permettent pas les directs, il y a deux possibilités. Soit il faut changer le contenu des directs, soit il faut changer les canaux de distribution. Et là, ben, il va y avoir des décisions à prendre. Alors, Sandrine qui nous dit « Lors de la mort de ma mère, mes deux frères et belles-sœurs ont gardé les biens de ma mère pour eux sans rien me demander. Je m'en fous des biens, pas grave, c'est le principe que je refuse. » Alors, je comprends, effectivement, ça peut arriver. Et ben, je suis tentée de dire que justement dans les moments difficiles, quand les gens font des trucs vraiment bizarre ou vraiment désagréable ou vraiment blessant ou tu as l'impression qu'ils ne te prennent vraiment pas en compte, eh bien, c'est qu'en fait, ils sont eux-mêmes dans cet état d'esprit. Et vraiment, je pense que ça, c'est une des plus grandes leçons de la vie qui est vraiment précieuse parce qu'elle est libératrice, c'est-à-dire d'avoir conscience que s'ils ont réagi comme ça, c'est peut-être qu'ils étaient tellement en détresse d'avoir à faire face à la mort de ta maman et de leur maman, donc à tes deux frères aussi, et de leur belle-mère, aux belles-sœurs, ils étaient peut-être tellement en détresse face à cette perte qu'ils ont voulu tout prendre, tout garder, tout ramener à eux, tout accumuler pour tenter de compenser, si tu veux, la perte. Alors effectivement, ce n'est pas très efficace dans la pratique. Mais il se trouve que sur le moment, des fois, c'est des réactions qu'on peut avoir et qui sont pas vraiment en conscience, quoi. Quand on est en conscience de soi, on fait pas ça ou pas comme ça, en tout cas, tu vois. Et ils auraient pu en parler avec toi, etc. Et il y a Nizou qui dit qu'elle a connu ça aussi et laisse tomber, c'est que leur problème, ben ouais, c'est clair, exactement comme dit Sandrine. Donc, faut pas prendre les choses personnellement. Par contre, ce qui peut être précieux, c'est d'oser leur exprimer ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti. Et ça ne veut pas dire les critiquer ni leur reprocher ce qu'ils ont fait, parce que attention, encore une fois, ils sont en détresse, ils imagine qu'ils sont blessés, imagine qu'ils sont en souffrance complète dans la situation. Donc, faut pas en rajouter, faut pas leur jeter des cailloux à la figure alors que les pauvres, ils sont déjà en galère, quoi, tu vois. Par contre, ce qui peut être précieux aussi, c'est toi de leur exprimer ce que toi, tu as ressenti. Parce que ça peut leur permettre d'ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé d'une façon différente. Au lieu d'être coincé dans leur détresse à eux, ça peut leur ouvrir le petit aperçu de lumière qui éclaire la situation différemment et qui leur fait voir autre chose et peut-être se dire, tiens, c'est vrai qu'on a, peut-être pas assuré et c'était peut-être pas cool et peut-être qu'on ferait mieux
ben de se détacher de tout ce matériel et de retrouver un peu d'apaisement finalement émotionnel vis-à-vis de, ben, du décès de votre maman. Voilà, et donc ça, moi ça m'est déjà arrivé et quand vraiment on arrive à exprimer notre propre sincérité, quand on arrive vraiment à exprimer notre propre sincérité, quitte à leur montrer notre propre émotion, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et il ne faut pas forcément attendre de réaction ou de réponse particulière, simplement l'avoir exprimé et ressentir à toi que ça t'a fait quelque chose de sincère et d'agréable finalement dans le fait d'avoir osé exprimer ça. La perspective d'avoir été entendue et de laisser mûrir et de sentir dans ton cœur à toi que ça fait du bien, ça prouve que ça a réparé quelque chose aussi auprès d'eux. Donc Sissou, elle nous dit, il s'accroche à ce qu'il reste, peut-être, ben ouais, c'est exactement ça en fait. C'est un réflexe de compensation, tu vois, c'est quand on n'est pas bien que ça arrive ça. Ou après, ça peut être lié à des programmes particuliers de notre passé ou de notre propre fonctionnement personnel. Moi, c'est un sujet que j'étudie beaucoup et sur lequel, justement, je propose des choses pour nous libérer de nos programmes inconscients, pour nous libérer de toutes ces contraintes. Et je suis en train, justement, d'écrire mon prochain livre sur le sujet et je me réjouis de le partager avec vous dès que possible, normalement, dans les prochains mois. Alors, Sandrine, elle nous dit non, je leur en veux pas. Ce qui me fait le plus mal, c'est que mes deux frères ont fait les trois. En même temps, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, parce que tu imagines bien que pour avoir fait ça, du coup, ils sont dans la peur. Ils sont dans la peur d'une influence extérieure, de ce qui peut leur arriver. Et ils cherchent de la sécurité à travers un élément extérieur, par exemple à travers l'injection. Ou par exemple, à travers le matériel qu'ils ont essayé de récupérer pour essayer de se consoler du décès de votre maman. Donc, c'est cohérent, en fait. Et ce qui est intéressant pour toi, c'est de te demander éventuellement pourquoi est-ce que ça te fait mal qu'ils aient fait ces injections? Est-ce que toi, tu as peur? Est-ce que toi, ça te connecte à de la peur aussi? Parce que moi, je trouve intéressant cette période où justement, chacun est confronté à ses propres peurs. Il y en a qui sont confrontés à la peur de la maladie, donc ils vont envisager le vaccin, par exemple, ou bien ils vont éviter de se toucher, ils ne vont plus voir personne, etc. Il y en a d'autres qui sont confrontés à la peur d'autres façons. Par exemple, si toi, tu as peur qu'il leur arrive quelque chose suite au vaccin, bah ouais, mais c'est une façon d'avoir peur aussi. Donc, est-ce que tu te laisses soumettre, est-ce que tu te laisses être soumise à cette peur? Ou est-ce qu'au contraire, tu fais en sorte de transcender ça, de transformer, de le traverser, d'aller plus loin, d'aller au-delà, tu vois? Et en allant toi-même au-delà de cette propre peur, il y a des outils aussi pour ça, des techniques de tapping, par exemple, qui permettent de libérer des peurs ou des techniques d'expression spécifique, tu vois, de ta peur. Il y a vraiment des choses fabuleuses qui existent pour ça. Et une fois qu'on se libère de notre propre peur, eh bien, du coup, on peut aborder les autres de façon beaucoup plus sereine, y compris ceux qui sont vaccinés, y compris si avant, tu avais peur à cause de ça, eh bien, tu peux les aborder avec beaucoup plus de douceur, finalement, beaucoup plus de détachement. Et eux aussi, de la même façon, se sentiront plus en sécurité auprès de toi, ne se sentant pas jugés. Et du coup, peut-être, ils exprimeront davantage de choses. Alors, il travaille injection imposée. Donc injection imposée, sauf que d'un autre côté, ben, elle est imposée à quel point, tu vois, puisque il y a beaucoup de gens qui ont refusé et qui ont changé de boulot, par exemple. Et pourquoi pas? Donc oui, bien sûr, on est confronté au fait que ben, peut-être justement avec les enfants, la vie, tout ça, ils ont besoin du boulot, ils ont besoin du salaire, etc. Ouais, mais concrètement, changer de boulot, ça représente quoi? Ça représente la peur, encore une fois, de ne pas avoir le salaire qui tombe à la fin du mois ou d'avoir une période de battement entre les deux ou de manquer de ressources ou de ne pas savoir quoi faire d'autre, etc. Donc, faut faire attention à tout ce qui est soi-disant nécessaire parce que j'avais cette conversation avec une amie qui se reconnaîtra peut-être d'ailleurs
il y a quelques jours là, et parce que au lieu de justement se concentrer sur ce qui était vraiment important pour elle, elle me parlait de tout ce qui soi-disant était nécessaire tout le reste de la vie, quoi. Et je lui dis, mais ouais, mais à quel point est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puisque si on va au bout de la chose et qu'en prenant pas soin de ce qui est vraiment important, soit au final, tu tombes malade, tu te retrouves en rade, tu perds ton job si ça se trouve, ou il se passe une catastrophe, etc., parce que tu n'as pas pris soin de ce qui était vraiment important, là, tu vas te retrouver face à la nécessité absolue qu'il n'y aura qu'une seule priorité. C'est une question de vie ou de mort, par exemple. Tu fais ce qu'il faut ou tu t'arrêtes. Total, mais t'arrêtes la vie, quoi. Et c'est dommage d'en arriver là. C'est dommage d'en arriver là, les amis. Et l'idée, c'est justement de ne pas avoir besoin d'en arriver là et de faire ce qu'il faut maintenant. Et si ça veut dire prendre des décisions différentes, oser faire des choses qu'on n'a jamais osé faire jusqu'à présent, eh bien, c'est justement grâce à ça qu'on va pouvoir créer un monde différent qui n'a peut-être jamais existé jusqu'à présent ou qu'on n'avait jamais abordé correctement. Alors, on a Sissou qui nous dit « L'EFT ou le MDR sont intéressants pour les peurs. » C'est clair, c'est des outils très intéressants qu'on peut étudier soi-même ou qu'on peut faire appel à un praticien ou à quelqu'un qui s'y connaît bien pour un peu d'aide. Parce que c'est des outils aussi qu'il faut utiliser efficacement pour vraiment obtenir les résultats. Moi, j'ai vu à une période où j'ai vraiment approfondi le sujet, je me suis aperçue, j'avais écouté certaines interviews qui expliquaient vraiment très bien les pièges à éviter pour éviter de perdre son temps et que ça n'ait pas les effets, ou au contraire des petites subtilités auxquelles faire attention pour que ça ait vraiment l'effet concret et puissant, quoi. Et un des éléments particuliers dont je me souviens qui était vraiment essentiel, c'est d'arriver à se connecter à l'émotion, à la vraie émotion qui est cachée derrière. Et vraiment, plus on est précis, et là, c'est là qu'il y a un petit travail de préparation pour vraiment pouvoir être précis, parce qu'une fois qu'on est précis, alors là, c'est spectaculaire, la libération, elle est vraiment fabuleuse, et c'est étonnant, on ne se rappelle même plus comment on faisait pour penser comme avant, quoi. Et ça, c'est vraiment agréable comme effet, comme sensation. Alors, concernant les injections, impossible de parler de ça avec eux, je me fais passer pour folle. Ben, c'est peut-être pas de ça dont il faut parler, mais peut-être plutôt de ce que tu ressens, de ce que ça te fait, de pourquoi est-ce que toi tu fais tes propres choix. Et puis sinon, c'est pas grave. Concentre-toi sur ce que ça te fait à toi. Qu'est-ce que ça te fait, par exemple, que soi-disant ça te fasse passer pour folle? Si toi ça te fait rien, bah, dans ce cas-là, c'est OK. Mais si ça te fait quelque chose, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce qu'à partir du moment où tu vas libérer ce petit quelque chose que tu vois que ça te titille quand tu te retrouves dans une conversation avec eux et qu'ils te font passer pour folle, eh bien, une fois que tu libères ça, ça ne se présentera plus. Et franchement, c'est quelque chose que j'écrivais justement tout à l'heure pour mon prochain livre, c'est qu'il y a un effet vraiment, vraiment étonnant. C'est que quelque chose qui te paraît super concret et qui te paraît immuable, je veux dire, tu vois, si dans une conversation, ils ont certaines réactions vraiment virulentes ou vraiment particulières, ou tu vois, eh bien, tu as l'impression que ça ne changera pas. Et franchement, ça peut être spectaculaire, quoi. Et moi, j'ai vécu personnellement des exemples assez fous. Et j'en ai un certain nombre de personnes autour de moi qui m'ont raconté, notamment à la suite de la lecture du livre, donc Le pouvoir des mots pour ce qui est du relationnel. Et suite à ça, j'ai plein de lecteurs qui m'ont écrit, et j'adore d'ailleurs. Pour ceux qui ont d'autres exemples, n'hésitez pas à m'écrire et à me raconter, parce que c'est enrichissant justement les uns pour les autres de voir à quel point ça peut avoir un effet ou sur quel sujet ou de quelle façon ça peut se manifester pour qu'on puisse y faire attention et de vraiment s'attendre à ce que les choses puissent changer, à ce que les gens puissent changer, à ce que les réactions puissent changer. Et ça, c'est vraiment important, parce que tant qu'on est coincé dans le schéma qui correspond à la réaction, bien, on entretient la réaction. Alors que si on libère notre part de l'histoire, eh bien, la réaction, elle ne peut plus avoir lieu, en fait, parce qu'il n'y a plus l'accroche qui va, quoi.
Alors, de toute façon, je n'ai pas de temps pour mes frères, j'ai mon fils avec moi et lui est précieux. Ok, magnifique. Se concentrer sur l'essentiel, ça fait partie du chemin aussi. Être vrai, retrouver son âme d'enfant, les enfants disent la vérité. Tout à fait. Merci, vous êtes génial. Donc, j'imagine que, voilà. Alors, magnifique, t'es géniale aussi d'ailleurs, Sandrine. C'est un grand, grand plaisir de vous avoir. Le temps tourne, les amis. Donc, réussir le monde ensemble. Envisageons davantage de réussir le monde ensemble. Et envisageons aussi, et tiens, ça me permet de rajouter ça, envisageons le fait que ce n'est pas seulement ceux qui, soi-disant, se rebellent et refusent le vaccin, etc., qui vont réussir le monde. C'est tous ensemble. Parce que ceux qui ont fait un choix différent, eux aussi font partie du monde de demain. Et si ce n'est pas le cas, eh bien ce sera leur choix. Mais considérons que tout le monde fait partie du monde de demain, puisque c'est comme ça, c'est ensemble justement qu'on avance et qu'on construit et qu'on réussit. Et rappelez-vous des cuillères de tout à l'heure, rappelez-vous de l'exercice des ballons. Si chacun a son propre ballon, imaginez qu'il y a tout ce qui est le plus important pour vous autour de vous. Eh bien, c'est peut-être pas en vous concentrant à chercher ça pour vous que ce sera le plus efficace. Peut-être qu'au contraire, si vous vous organisez avec quelques personnes autour de vous, que vous vous demandez les uns les autres, qu'est-ce qui toi te rendrait vraiment heureux, qu'est-ce qui toi te ferait vraiment plaisir, et que vous puissiez vous entraider à réfléchir peut-être une stratégie ou à vous partager des idées ou à vous partager des possibilités, ça, c'est quelque chose qui permet de réussir ensemble. Et c'est justement en apprenant, en fait, à réussir ensemble que ça va résoudre beaucoup de choses. Parce que ça va résoudre les histoires d'avoir peur les uns des autres, ça va résoudre les histoires de tirer la couverture à soi, etc. Et effectivement, c'est demain, donc, est l'avenir d'aujourd'hui, nous dit Sandrine. Tout à fait. Et donc, demain est comme la plante qui aura poussé de la graine qu'on a plantée aujourd'hui. Et ça, c'est vrai chaque jour. C'est comme si chaque jour, on avait un nouvel essai qu'on pouvait recommencer, qu'on pouvait réessayer. Et c'est vraiment comme ça, petit à petit, qu'on est en train de construire le monde de demain, qu'on est en train de transformer quelque chose dans notre propre état d'esprit. On en a parlé dans la navette de mardi avec Jean-Luc, elle s'appelait comment? Je ne sais plus comment elle s'appelait. Si, le focus devient motivation. Et ou c'était peut-être celle d'avant aussi. En tout cas, ce qui est important, c'est que en fonction de ce que l'on travaille à l'intérieur de nous, par rapport à ce qui nous fait réagir de l'extérieur, eh bien, c'est grâce à ça que petit à petit, on permet la transformation la plus efficace. Et ensemble, ça nous permet de travailler sur un plus grand périmètre, sur quelque chose qui nous était inaccessible peut-être tout seul. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fabuleux et qui fait partie du monde de demain. De réussir ensemble, justement, de réapprendre à s'entraider, à s'encourager, à s'aimer les uns les autres, plutôt que d'avoir peur les uns des autres. Parce que de la même façon, d'avoir peur d'une conversation parce que l'autre y réagit, c'est dommage. Et petit à petit, justement, en osant avoir ces conversations, en osant avoir ces conversations, mais des vraies conversations, c'est-à-dire d'inclure dans la conversation que, par exemple, ce que chacun ressent. Quand l'autre y réagit, moi je me sens pas bien parce que j'ai l'impression que je peux pas exprimer mon opinion sans qu'il réagisse et qu'il me dise que je dis n'importe quoi, etc. Et que j'ai pas envie d'avoir l'impression d'être folle sous prétexte que je lui partage mon avis. Eh bien ça, c'est une information utile à partager. Et que l'autre puisse aussi s'exprimer. Peut-être que lui, il a envie de pouvoir se faire injecter sans être jugé pour ça. Et donc nous, de travailler sur notre capacité à ne pas les juger, à apprécier. Au sens à valoriser les choix qu'ils ont faits en fonction de leur contexte, en fonction de leurs priorités, en fonction de leurs propres peurs, en fonction de leur propre programmation. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment très précieux à développer les uns avec les autres. Justement, de pouvoir s'accueillir sans se juger, d'accueillir en étant capable d'être à l'écoute, de chercher à voir le cheminement qu'ils ont eu sans le juger, quel que soit ce qu'ils ont fait. Et en sachant que ce n'est pas leur choix qui va avoir un impact sur le monde de demain. C'est la façon dont on s'écoute les uns les autres qui va avoir le meilleur impact sur le monde de demain. Voilà. Voilà pour ce que je voulais vous partager, les amis. Aujourd'hui, réussir le monde ensemble, c'est un axe de travail vraiment intéressant pour chacun d'entre nous. Et j'espère que vous aurez pu profiter du replay. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.
Je vous retrouve, on vous retrouve ce soir d'ailleurs à 21h. Pensez-y pour un direct. Donc, on sera avec Jean-Luc, interviewé par Xavier, et on aura aussi René Biquel, je crois, qui sera avec nous. Donc, on va parler de l'université d'été et de certains sujets qui seront abordés là-bas. Donc, profitez bien de l'interview de ce soir qui est offerte en direct donc sur les chaînes, et assurez-vous de retrouver les liens pour pouvoir assister au direct si jamais ça ne se passe pas sur Facebook. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine aussi pour les navettes, le mardi, le jeudi, les capsules, le lundi, le mercredi. Et puis encore des directs, je crois, le lundi soir et le jeudi soir. C'est toutes les semaines pendant tout le mois de juin. Profitez bien les amis. Bonne journée. À bientôt.